Nous faisons super la veine, nous baguette. Donc nous saluons nous quand même. Et m'a dit nous gros merci pour tout support, tout à toutes les amis nous t'es parlé. Là nous t'es Chicago, toutes questions que tout nous t'es posé Chicago. Pour me Chicago, bon, m'a pas capable répondre parce que me rappeler me m'a conduit. Et le fait que m'a conduit, m'a pas capable effectivement répondre question. Même t'es ouais et commentaire nous t'es fait yo, les après les mouvements monter les commentaires yo. Et m'a bien content de m'a bien satisfait, m'a ouais comment nous même tout nous t'es très intéressé. C'est avec tu vois ça que mène nous dans l'aéroport O'Hare à hôtel côté de en bas la ville Chicago mon soutien bas la ville Chicago mène nous tourner dans l'aéroport O'Hare nous accompagner et tout comme tout pendant dans et sous pont point du sable là côté que c'est raison ça qui fait notre bois c'est une célébration avec commémoration la mort et Jean-Baptiste Point du Sable fondateur de ville Chicago bon. Nous sommes bien contents de nous être là et puis nous sommes bah, bon, en tout cas, organisateurs satisfaits de travail qui a été fait avec eux en tant une sorte de partenariat que nous avons fait depuis pratiquement plus un peu 3 ans que nous faisons partenariat avec justement pour nous porter héritage ou l'idée que Jean-Baptiste Point du Sable gagne ensemble avec l'association et nous essayons de porter le plus loin possible pour nous garder et qui est-ce que Jean-Baptiste Point du Sable, la vision qu'il a gagnée. Et peut-être plus de façon, ou même quelque chose que tu as regardé nous, ou même tout au courant de Jean-Baptiste Point du Sable, que en pile américain, pas connaît que c'est un haïtien, ou explorateur haïtien, qui t'a découvert Chicago. En pile américain, pas contre ça, ou, c'est mon démonio, qui ça va dire là. Alors que c'est un bail qui t'a commencé, mais il faut faire pour ça quand même. Au moins, dans Chicago, au moins, et reconnaissance en défaite, dans ce plan officiel. Alors, actualité sur plan international, donc on est d'abord activité dans Nigeria, leader militaire et coup d'État qui d'ailleurs est suivant une délégation ECOWAS, une délégation bloc économique Afrique de l'Ouest, pays Afrique de l'Ouest. Eh bien, bon, yo clair yo dit ah, yo dit qu'on est campé, yo dit que yo pas bail pouvoir pas avant 3 ans, ça veut dire pas plus tard que 3 ans, c'est ça que yo dit, yo pas passer pouvoir bail un gouvernement civil. Donc message là, li sorti, qu'il y a qui réaction par la communauté internationale par cette question là, nous était pour nous ouais ça cap bien quand même, mais au moins qu'il y a une position qui ferme et yo dit pendant combien de temps que yo a pris le pouvoir. Dans notre programme de mini-actualité, c'est l'ancien président Donald Trump, nous connaissons qui est devant la justice. Eh bien, le dossier a marché parce que l'autorité dans Fulton County a été balayé jusqu'à vendredi, même avec 18 autres monde qui sont censés inculper ensemble avec lui et pour pression été fait sous dirigeants ou bien encore pour inculpation ou bien encore pour participation dans chercher à renverser les résultats de l'élection 2020. Eh bien bon et finalement nous connons l'autre banque mais avocat cap défendre président Trump yo eh ben n'a d'abord compté a té bail ancien président jusqu'à vendredi ensemble avec co-accusateur yo pour te rendre tête volontairement bas la justice volontairement vis qu'on porter ou en tête ou porter tête ou venir yo pas ni vin arrêter ni yo porter tête té bail vendredi midi tapant pour rendre tête li. Et même il y a 2 nouvelles pour nous d'après ça que médias américains ont rapporté même président ancien président a rapporté même sur social media sur médias social par là que les tout social eh bien d'abord il dit que lui-même il a un plan pour lui rendre tête jeudi plutôt donc jeudi pour aller pour la rendre tête il dit la descend Atlanta dans Fulton County pour la poser tête aller plus capable arrêter nous va comme ça nous va comme ça il dit non. Le président, moi, c'est le président des États-Unis, nos problèmes avec la justice, c'est qu'on a nos problèmes pour le tac à aller dans la prison. Et l'autre 18 mounio, qui sont ces co-conspirateurs, ils ont même eu un vendredi, mais le président Trump lui-même dit qu'il est libre d'aller par le tête. Alors, Paul a parlé, il dit qu'il n'y a pas de conditions pour remplir, il n'y a pas de bail pour responsable, shérif, qui est responsable à faire et prison ça, qui est en prison, qui est en banquette. Qui semblait pour penser de violation de droit de l'homme, fait. Mais même prison, ça, c'est la président Trump dit que va l'entendre. Maintenant, elle l'entendre, il a ça qui va passer. Et il dit, contrairement à l'autre côté qui était inculpé déjà, l'autre État, tant qu'au New York, tant qu'au Floride, qui était inculpé déjà, et bien, fois ça, l'État semblait, il a fait photo président, il a fait empreinte. Alors,
comme il y a un prisonnier en prisonnier, lors d'un tête, on démarche pour faire, une audition pour faire, puis ouais, est-ce qu'on peut représenter un monde qui est capable de sauver, ou bien est-ce qu'on peut représenter un danger pour la communauté, et laisser après qu'on si ou une autre est capable de la gauche sous caution. Alors, dans le cas ça, et avocat qui défend le président, et bien, il y a un genou entente avec Conte, et poursuiteur, mon cap, et cap cherché juger président, et bien bon, et bien, je n'ai pas tant d'avel pour payer 200 000 dollars caution. Donc, bond lancé un corps au bail et qui garantit le libéré provisoirement. Donc, avocat ancien président, il y a entendu avec juge cap et supervisé dossier, et bien, il y a entendu et pour le bail, puis 200 000 dollars caution. Alors, bon, m'expliquer une autre base. Soit fait et bond là. Bond, il y a le bond ou bien encore, et son corps ou bien on sort de dépôt, il n'y a pas un boussol. Si vraiment ou pas sauvé ou tourné, il n'y a pas un boussol. Dans le cas où on a un problème, on a un problème avec la justice. Il a arrêté moi au même côté, il n'y a rien à libérer. Il n'y a rien à libérer sous caution, même gentil. Même après, et forme d'une compagnie, non, capable, une compagnie qui baille, qui bail moi, c'est-à-dire qui paye un bon pour moi, pour libérer sous caution. Comme moi, la compagnie qui baille garantit ça, moi, je baille 10% dans le cobla. Et 10% ça, il n'y a pas garanti, bah, me dit dans le cas ça, 200 000 dollars, il n'y a pas garanti comme ça, s'il n'y a pas 10%, cash par là, c'est ça, ce qu'il fait pour le vivre, c'est business basé. Soit le partenaire petit comme là. Donc son problème lié pour lui de foreign garantie. Autrement dit, si m'gain bien assez, on dit bien assez m'gain caï, m'gain paquet bail qui ca garantit que m'a pas faire au rond porte, m'a pas sauver etc. capable entente qui jeune pour yo kembe bail m'gain bien m'gain yo comme garantie si m'pas tourner l'état saisir. Voilà, c'est ça. Donc 200 000 dollars, c'est ça que avocat ancien président joint avec autorité yo pour que l'être président présenté, eh bien, il fait formule bah, normale, tout ça que vous faites, yo. Et puis après ça, il tourne la carrière. T'as coup, Jean, que le fait, l'elle est allé dans New York, et l'elle est allé en Floride, l'elle est allé, et répond avec chef d'accusation. Mais jusqu'à présent, le président Donald Trump, ancien président, dit que, bon, lui-même n'est pas coupable, il dit que c'est un chasse aux sorcières à faire pour lui. C'est, non seulement ça, parce que l'ancien président, je me rappelle qu'il l'a mené dans son sondage d'opinion, dans élection parti républicain et campagne candidat qui a cherché nomination parti républicain et tout le 25 président parle devant à quelques jours même avant ou bien un jour même après débat et candidat parti républicain il a fait candidat parti républicain il y a un débat à faire etc pour justement vendre projet au public là pour bah surtout même parti républicain pour montrer que et eux même qui meilleur pour venir faire face avec le président Joe Biden. Voilà, son dossier n'a pas pour vous, mais le dossier a été là qu'on a passé le président dit depuis jeudi lui-même libre aller donc n'a prêté pour nous est-ce que ça possible c'est pas possible mais au moins qu'on est que et arrondissement Fulton County a été balayé jusqu'à vendredi midi pour venir en tête li et laisse ça comme ça fait mais au moins affaire bonne n'a parlé c'est un 200 000 dollars que avocat le joint entente avec autorité. C'est ça nous pour comme nouvelle et puis qui ça gagne encore et l'autre grand point qui gagne en actualité c'est président Joe Biden hier il était trouvé li dans et Hawaii. Et bien, il a visité une communauté qui était affectée, qui a dû faire bouler, et il a affecté le rôle de quelques victimes. Il parle avec eux, il a nommé un monde qui peut gérer la situation, et promettre que le gouvernement fédéral a assistance pour recamper sous deux pieds encore. Après, il fait ça qui va arriver. Bon, il critique quand même, surtout beaucoup de républicains. Qui critiquait le président pour dire que il vient trop tard, il était devenu déjà, etc. Mais c'est pas comme ça que mon local, je dis, bon, laissez le président venir, il vient pour ton support moral pour nous, et seulement il peut mettre nous rapide, nous quand même reconstruire pour nous camper sur des pieds. Actuellement, sur le plan et la caille, eh bien, Haïti, il y a un état d'alerte qui est lancé, état d'alerte jaune, parce qu'il y a une tempête tropicale qui est les. Une tempête tropicale qui est
et Franklin, mais qui frappait, qui a frappé l'Hispaniola. Donc Franklin l'a frappé l'Hispaniola. République dominicaine déjà décrété jeudi à partir de midi. Tout va fermé, il va congé à partir de midi. Mais Haïti nous décrété nous-mêmes état d'alerte. Et surtout que il a semblé que l'ouragan l'a pas attaqué, l'a frappé surtout zone. Et il a semblé la frappe zone sud surtout, mais il y a du grand pile l'application venir avec lui. Donc tout le monde qui concerne, toute autorité, que ce soit c'est et protection civile, toute partie qui concerne, mais tout le monde sous des pieds, pour justement porter assistance à la population. Et au moins des gens qui ont pris plus de précautions, pas traverser rivière, sinon même on doit être capoué non route. Ou par contre, l'eau, par contre, pas essayer de traverser parce que, d'après un responsable, il fait qu'on est que mon victime, c'est parce que justement, il y a marché dans l'eau, par contre, et puis il est tombé dans tout égo, et puis il a regardé l'eau, elle fait fond. Alors que, il y a des gens qui, l'eau, de l'eau, il a marché là-dedans, et puis il doit laguer la tête. Et puis il doit tout laver tout. Donc, il demande mon propre question, et il protège les documents que vous avez, si vous avez documents, baptiste, papier terre, tout le bail officiel que vous avez, passeport, tout le bail ça, et bien, protéger, mettre, développer nos plastiques, marrer ou bien marrer pour de l'eau pas entrer dans la plupart des trous et puis mettre en côté et puis mettre tête, protéger tête, ça c'est sa responsabilité. Et puis, après ça, la frappe zone dans un moment actuellement, il y a une mission et une délégation Kenya qui est en Haïti depuis pratiquement depuis dimanche. Mais la délégation a déjà commencé au travail, il a rencontré avec le Premier ministre Ariel Henry, il a rencontré avec le Haut Conseil de transition. Il a rencontré avec l'autre partie, et très certainement, il continue à rencontrer avec le Haut Conseil Police Nationale. Le Conseil Police Nationale, c'est le Conseil CSPN. Il a rencontré avec eux. Et raison tout simplement, c'est pour faire une évaluation pour justement qu'on ait, et qui est en situation PIA, qui est en situation dans le PIA, et dans le cadre et promesse ou bien demande ou bien encore et suggestion ou bien encore possibilité pour que ce Kenya t'apprenne une force multinationale pour aller aider la police nationale là bataille contre bandits pour établir sécurité jusqu'à ce que l'élection déroule dans le pays. Ça c'est l'autre côté là. Et puis donc délégation ça il aurait pu aller devant les Nations Unies. Pas oublier que tout ça qu'on a fait là, c'est préparation. Parce que les Nations Unies, c'est lui-même qui va autoriser pour une force multinationale aller dans le pays d'Haïti, très certainement, aller des polices nationales. Donc, c'est dans ça nous est là. Donc, le ministre des Affaires étrangères haïtien, qui était un petit peu là avec la presse quand même, et bien, il t'a expliqué, il t'a dit que le dernier mois, c'est les Nations Unies, mais la délégation, ça a tout. Il a voulu faire un rapport by le Conseil de sécurité des Nations Unies pour le dire, mais ça a été constaté. Et mais ça que lui-même a besoin pour l'organiser, pour participer à la mission et que pour réaliser la mission. Je me rappelle que les États-Unis déjà fait promesse que lui-même l'a poté collé dans ce qu'il a fait là, que ce soit au point de vue financier, mais on se dit au point de vue matériel, équipement, mais au moins il dit l'aspect financier a aidé. Le Canada a tout quitté pour mettre. Pendant que éviter l'autre pays dans la région de Caraïbes, surtout, et pour l'autre pays qui t'a appelé pour nous pour contribuer, même si on pas contribuer financièrement, mais au moins pour t'avoir avoué moun venir participer dans la mission là. Alors moi, de quoi que c'était samedi pour me faire un petit parler avec nous, moi c'est que nous très contents. Malheureusement, je ne sais pas comment tu as fait, je ne sais pas répondre à une question non plus tout. Mais ça fait plaisir quand même. Et je dis à je dis en bas dans la radio, donc non pas pour me pita dans la radio sur la télévision, mais Jacques qui part là, il tourne hier. Et puis, bon, Valéo, ensemble avec Jean-Cyr Augustin, bon, monsieur, nous connaissons monsieur Sophie Gomez là en Australie, go tourne. Donc, jusqu'à présent, monsieur Dessounet, avec monsieur Escabre, je vois que j'aime pas Capio, à cause de changement de zone. Donc, monsieur, beaucoup me reconnaître. Parce que d'après ça, gentil dit, il dit, l'aile levée le matin, toujours comprendre que c'est en Australie, il dit toujours. Il toujours comprendre que, c'est en Australie, c'est l'aile peut-être, il garde l'aile, et laisse ça comprendre que c'est aux États-Unis. Donc c'est pour montrer un client que Fuso est là capable. Disposition pour mettre sécurité dans le pays. Nous avons coquin chien mariage, population avec la police fait. Nous avons lancé opération Bois Calé Wash Maman. Gaillé Kaka Bandi. Gaillé Kaka Bandi.
La guerre, la gamme va caler, wesh maman.